Pauvre Afrique. Franchement, l'Afrique, c'est un continent maudit. C'est un continent maudit. Je n'ai jamais vu un continent aussi maudit comme le continent africain. C'est un continent maudit où le riche est plus fort, où le riche muselle les gens. Le pauvre n'a plus droit à la parole. La justice n'est que pour les riches. La justice n'est jamais pour les pauvres. C'est dégueulasse. Vraiment, les Africains sont... Vous êtes les derniers dans le monde entier. C'est un continent maudit même. Franchement, nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel continent? Mais dites au pasteur là, qu'est-ce qu'il vient mal sur moi? Je vais déterrer le corps de sa femme. Mais moi, je ne m'amuse pas. Hein? Je ne m'amuse pas. C'est que vous faites les blagues. Je n'ai pas besoin de la sympathie de quelqu'un. Si Dieu mal sur moi, c'est qu'il va lui faire. Il va jamais m'oublier dans Facebook. Hein. Il ne va jamais m'oublier dans Facebook. Un continent maudit comme le peuple africain. Vraiment, les femmes, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. La femme africaine, la femme noire, honte à vous. Ne venez plus dans mes directs. Mais dis que oh, tu me vois pas. Tu es obligé de me voir. Va te faire foutre. Dis non, je te bloque même d'abord, imbécile. Tu viens de dire pour me voir. Dégage. Tu me vois pas. Ça fait quoi? Tu as bien de me voir, idiot. Je ne te vois pas. Tu veux dire, tu veux voir quoi sur moi? J'ai fait le direct dans le noir. C'est quoi? Tu ne vois rien, tu quittes. J'ai fait le direct dans le noir. Voilà, faut pas me déranger. Je me suis dit, tout le coup, de me voir. Tu es venu muser. Ah. Il y a le jour quand quelqu'un est venu, il faut éviter de dire certaines choses. Il vient là, il me dit que je suis dans le noir. Hein? L'Afrique, c'est un continent maudit. Je vous dis ça. L'Afrique, c'est un continent maudit. Un continent de merde. J'aurais aimé que les Blancs, les Européens, continuent à nous coloniser. Je regrette qu'ils soient partis. Vraiment, je peux leur dire encore que rentrer, revenez nous coloniser comme on était avant. Parce qu'on mérite l'esclavage. On mérite la souffrance. Franchement, quelle honte. Tu as fait des annonces ici. Hey, on ne veut pas les annonces sur ma page. J'ai bloqué, va là-bas. Tu fais les annonces sur ma page par rapport à quoi? Tu viens faire les annonces sur ma page? Hein? Quelle honte pour le peuple africain! Quelle honte pour nous! Quelle honte pour le peuple africain! Hein? J'aurais aimé que les Blancs continuent à nous coloniser. Quand ils étaient là-bas, ils devaient se tenir au pas. Oui! C'est quel genre de continent ça où on voit l'injustice, on ne parle pas? C'est le riche qui commande la justice en Afrique. La justice, il n'y a pas la justice pour les pauvres en Afrique. En France, en Europe, quand vous êtes venu là, vous êtes les premiers à venir commenter. En Europe, même quand tu n'as pas le papier, tu es un avocat, on connaît le droit de l'homme. En Europe, on n'arrête pas quelqu'un chez nous, on l'amène en prison. En Europe, on respecte l'être humain. Ça! Et puis, vous allez dire que les Blancs sont racistes, rentrez chez vous. Allez vivre là-bas. Soutenez, comme vous soutenez la dictature des musiciens, comme vous soutenez la dictature des plus riches, allez vivre en Afrique. Allez vivre en Afrique, bande de lâches. Allez vivre en Afrique. Hein? Pourquoi, comme tu dis à sa fille, la raison du plus fort. Allez vivre en Afrique, vous les gens qui supportent, les Européens là, qui supportent l'injustice qui se fait sur la fille là. Allez vivre en Afrique, bande de lâches, bande de peureux, bande de poules mouillées. Bande de chiens, vous n'êtes pas les gens. Mais dès que l'Afrique va. Je dis, hein, moi je dis maintenant que le peuple, yop, yop, c'est comme ça. Vous allez gérer ça comme ça là. Oui, vous êtes incapable de vous lever, combattre pour une femme. Vous avez la grande gueule. Si c'est pour chasser. Attends, je vais vous clasher correctement bien. Vous n'avez pas honte? Vraiment. Hein? Tu parles de quoi? Tu es venu trouver mon Dieu, tu ne parles de quoi? Je dis, hein, le pasteur là, si tu tentes sur moi, il va réveiller tes morts. Moi là, si tu viens mal sur moi, il va réveiller tes morts. Peut-être que tu ne me connais pas. Hein. Tu entends ce mot, tu vas réveiller les morts de ta maison. Ah là, c'est quoi ça? Hein? Vous voulez dire que quoi? Comme il est artiste, on ne doit pas faire quoi? Il est qui? Il est qui? En Europe, même l'artiste n'est pas la loi. En Europe, on a condamné Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la France. On l'a condamné devant les tribunaux. On n'a pas dit que parce qu'il est président. Oui, on l'a condamné. Vous parlez de quoi? Vous êtes qui? Les Haïtiens, ils sont en prison aux États-Unis. Vous parlez de quoi? Bande de lâches. On veut détruire les talents africains. Et alors, comme tu as le talent, tu dois t'asseoir sur les gens. Tu dois pourrir la vie des gens. Tu dois commander les gens. Bête de merde.
Un sale continent comme ça. Je vais même annuler. Je vais annuler mon voyage là. Je vais annuler ce voyage de merde là. Je reste moi en Europe, dis donc. Quand moi la malchance, on va me faire quoi là-bas? On va faire quoi là-bas de continent là? On va faire quoi là-bas? Ramasser les malaria et vivre dans la dictature? Le trafic de l'influence? Hein? Le trafic de l'influence où le pauvre n'a pas droit à la parole? Hein? Où le pauvre ne doit rien dire? Depuis quand on arrête quelqu'un, on l'envoie directement en prison? Depuis quand? Vous avez vos vies de merde, vos vies de caca, vous vous appelez les artistes, oh, vous avez les gros habits, alors que c'est vous qui violez les femmes, c'est vous qui manquez le respect aux femmes. Vous venez nous ouvrir, vous venez nous fermer la bouche, vous voulez museler les qui? Hein? Vous voulez museler les qui? Nous allons nous mobiliser. Moi, je serai devant. Je vais le fil congolais, réveillez-vous. Nous allons gâcher sa carrière, alors en vrai, le tout-ci. Tu ne peux pas arrêter la voix de quelqu'un, tu la vois en prison. Elle n'a pas prononcé ton nom, elle a parlé en parabole. Hein? La loi du plus fort. Tu peux parler en France? Idiot, tu peux parler en France? Attends, je vais lancer mon direct demain. Je vais bien te laver, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter en bain. Vous n'avez pas honte, les femmes africaines, vous encouragez quoi? Vous êtes des mères. Nos enfants, nos filles que nous accouchons, elles vont continuer à souffrir le martyrage de cette sale gars noir. Ces nègres-là, ils vont continuer à nous maltraiter. Ils vont continuer à faire ça sur nos mêmes enfants comme nos mamans nous ont délaissés. Ils feront la même chose, ça sera une continuité. Il est temps que vous vous réveillez. Bande d'idiotes, vous réveillez quoi? On peut aimer l'artiste, on peut aimer la musique, mais ne pas dire non à l'injustice. Imbécile, vous parlez de quoi? Merde, c'est quoi cette histoire-là? Vous encouragez quoi? Est-ce que Niki n'a pas. Est-ce que les blogueurs, les pros, c'est le game qui supporte. Les pros blogueurs qui supportent ça. Sa casserole qu'on appelle les femmes là. Est-ce qu'ils n'ont pas insulté Niki? Qui est arrêté parmi eux? Qui est en prison? On leur a dit quoi? On fait celui-là qui a la grosse bouche comme la viande du Bukovina. Il ose prononcer mon nom. Tant que c'est le manque. Merde. On envoie la fille de tuer en prison pour rien. Elle a fait quoi? Elle a tué qui? Elle a raconté une histoire. Elle a prononcé ton nom. Non. Quand vous avez une vie de merdique, une prostituée, c'est une waka. Oh, moi, je vais dire ça lundi, demain. Je vais dire, venez m'arrêter. Il faut arrêter. Merde. Elles sont arrivées ici en Europe, ces femmes africaines-là. Elles voient comment les femmes blanches, les femmes européennes s'élèvent. Elles revendiquent. Elles sont aux côtés des plus faibles, des plus faibles. Elles revendiquent l'injustice contre la femme. Elles se battent. Vous venez hacher les misères. Vous croyez que vous avez quoi? Vous partez vous aligner à la CAF. Vous croyez qui s'est battu pour que vous ayez ces droits-là? C'est des femmes européennes comme vous. C'est des femmes qui sont levées en France. Ils ont dit que stop à la violence contre la femme. Tu es en Europe, tu ne peux pas parler fort à un homme. Tu peux parler fort à un homme en Afrique. En Europe, tu ne peux pas parler fort. C'est la femme qui a payé cette cause-là. Mais vous venez en Europe, vous êtes plus mauvaise. Même, vous, franchement, vous abandonnez votre soeur, soit disant qu'elle a mal parlé de lui. Et qui? On est allé chez lui pour aller prendre son histoire. C'est sa soeur qui a envoyé cette histoire sur les réseaux sociaux. C'est sa soeur qui est venue parler de ça. On s'est parlé dans leur vie privée. Ils ont amené ça dans les réseaux sociaux. Chaque blogueur donne son point de vue. Chaque blogueur dit ce que tu as dit. Chaque blogueur parle. Hein? Pourquoi c'est elle qu'on peut arrêter? Parce qu'elle est au Congo. Elle est dans le pays où c'est le plus riche. C'est le plus riche qui parle. C'est le plus riche qui a la justice. Mais un jour, je vous ai dit que le printemps arabe, c'est un seul individu qui a causé le printemps arabe. Continuez, vous allez voir un jour. Continuez. Oh, on veut détruire les talents africains. C'est les seuls talents. Avant eux, il y a eu les Papa Wemba. Avant eux, il y a eu les Pépé Calé. Avant eux, il y a eu beaucoup des artistes. Ce sont les talents, ça. Ils sont dans le noir. Ils sont en train de sombrer la jeunesse congolaise. Ils sont en train de sombrer, de mettre le noir dans les pratiques qu'on tue. Ils sont en train de détruire la jeunesse congolaise. Ils ne veulent pas aider les autres. Vous parlez de quoi? Ils sont les seuls talents. Il y a des milliers de talents en Afrique. Si on avait donné les moyens aux Africains de faire savoir le talent, c'est qu'ils sont des milliers comme ça là, parce qu'il n'y a pas de moyens. Il y a des jeunes dans les quartiers qui chantent même mieux que eux, mais ils n'ont pas de moyens pour faire savoir leur talent dans le monde entier. Vous parlez de quoi? Bande d'imbéciles, leur talent, talent. Tout un continent, il n'y a qu'un seul talent. Vous êtes malades. Il n'y a pas de moyens. Ils vivent dans la pauvreté. Ils n'ont pas d'union. Ils ont des talents. Imbécile, va. Je te bloque. On parle pas mal sur ma page. Hein. Merde. Merde. On vit dans quel monde là-haut? L'autre parti me prendre la convocation à Interpol au Cameroun. Tu m'as pris la convocation à Interpol pour quoi au Cameroun? Dans mon pays, je suis un peu. On m'influe, on m'intimide. Je t'ai fait quoi? Je t'ai incité? Non. Parce que tu as dit que tu as venu chez moi.
Ça mérite l'Interpol. Mais on vit dans quel monde là? Franchement, l'Afrique fait pitié. Vous faites, le continent africain fait pitié. Vous venez dire que les Européens sont racistes. Les Européens ne sont pas racistes. Ils se sont battus pour plaider les causes. Et vous en bénéficiez ces causes-là. La femme africaine arrive ici en Europe. Tu peux parler un homme en France. Moi, quand je parle à mon gars ici, je n'ai pas peur. Je l'ouvre les yeux. Parce que je sais qu'il ne peut pas me mettre la main. S'il me met la main, il va se retrouver en prison. Qui a voté ces lois? Qui s'est battu pour qu'on instaure ces lois? Ce sont les femmes qui se sont levées. Ensemble, ils ont dit non. Si tu vas à la CAF, quand tu accouches en Afrique, quand tu accouches même 10 enfants, tu misères avec tes enfants. On voit les mamans dans un continent où il y a l'or, il y a le diamant, il y a l'uranium, il y a le pétrole, il y a tout. Les femmes qui ont 10 enfants, misère. En Europe, il n'y a pas ça. Quand tu as de l'argent, tu pars te mettre à la CAF. On te donne au moins plus de 2 000-5 000 euros par mois. Gratuit, parce que tu as les enfants chez toi. On t'aide, ce sont les femmes qui ont voté ces lois. Hein? On arrête une mère parce qu'elle est blogueuse. Elle a parlé une histoire en parabole sans indécer qui que ce soit. Comme ce sont les plus forts, des misérables personnes, des parvenus qui ont grandi dans la boue, des chiens, parce qu'ils sont levés. Si Kofi Lamine n'était pas là, ils devaient être où aujourd'hui? On leur a tendu la main. Aujourd'hui, ils veulent verser le poison sur les âges. Hey, moi, hein, quand je m'énerve, ça va très mal dans ma tête. Bon, bye bye, sale idiot, le gros cul de ta pute de merde. Imbécile, va. Chienne, pourriture, sale esclave, imbécile. Garde-moi son anus qui se balade partout sur le matelas. Idiot, va te faire défoncer par un concombre. Tu encules tes parents, imbécile, et crache sur l'écran de ton village. Idiot. Merde. Bande des imbéciles, va. Hein? Garde-moi une sale chienne comme ça, et ton visage de crabe. Tu veux me dire quoi sur mon direct? Hein? J'ai dit que nous allons marcher. Ce que tu es en train de. Allez, Dieu au Congolais. Hein? Ce qu'il est en train de provoquer là, c'est là qu'il va voir sa carrière tomber dans l'eau. Parce que nous allons nous mobiliser. Les femmes africaines vont se mobiliser. Nous allons laisser mettre. On va laisser mettre nu devant l'ambassade du Congo. Sans caleçon, ce sera le spectacle. Ça va se passer en France. Ça va se passer. On va vous dire qu'il y a une diaspora. Nous allons nous mobiliser. Et le président congolais sera au courant. Bande de lâches. Bande de lâches. Bande de lâches, regarde-moi toutes ces femmes-là, tous ces vagabonds de femmes-là. On les parle, elles sont là pour dire que oui, je suis ceci. C'est bien comme elle allait en prison. Elle allait en prison pour une bonne cause. Oui, elle allait en prison pour une bonne cause. Parce qu'elle est partie défendre une femme comme elle. Ça, c'est une prison. Mandela est parti pour une bonne cause en prison. Parce qu'il est parti défendre son peuple contre l'apartheid. Il s'est battu auprès de son peuple. Mandela a fait 27 ans de prison et Dieu l'a récompensé. Sarah sera la Mandela du camp du Congo. Vous allez voir. Elle sera la Mandela du Congo. Elle sortira, elle sera une femme politique. Elle va mener des combats forts. Et nous, vous êtes en train de forger un lion dans la prison. Vous êtes en train de forger une lionne qui va venir nous combattre. Une sale idiote qui a fait toute sa vie au trottoir. Et elle a pris son temps à chercher les bites par-ci, par-là. Elle vient déranger une femme qui se lève pour débattre une femme. Mais elle est qui? Mof! Sale waka, imbécile, va. Retourne à l'école, idiote. Tu vas faire quoi, qui? Viens m'arrêter en France si tu es une femme. Putain. Mais on va dans un continent comme l'Afrique où il y a le diamant, où il y a l'or. Vous venez en Europe où il n'y a pas le diamant, il n'y a pas l'or, il n'y a rien. On vous donne l'argent à la CAF, vous accouchez. Vous partez à la CAF, on vous donne de l'argent à la CAF. On vous donne de quoi manger parce que le blanc connaît le droit de l'homme. Le blanc se soucie de la mère, il se soucie de l'enfant, il se soucie de même du chien. Ils vous donnent à manger à la CAF. Tu habites dans une maison, tu payes 50 euros. Parce que tu as des enfants en Afrique, nos mères, misère, dans les rues, et misère, parce qu'il n'y a plus aucune femme courageuse pour dénoncer, pour dire non. Ce n'est pas ça. Nous aussi, nous sommes les mamans, c'est nous qui nous accouchons. Nous avons aussi le droit de bénéficier de cet argent. Vous ne dites rien. Une femme se lève et dit avec son histoire de Bangala, tout le monde a son point de vue. La pauvre, parce qu'elle vit au Congo. Elle doit être arrêtée parce que je m'appelle, je suis chanteur avant d'être chanteur. Tu étais quoi? Tu étais un misérable. C'est pas qu'on fait le mieux, tu es arrivé dans la boue, dans le porte-porte où tu viens avec les. Où tu étais gigolo de prostituées des trottoirs. Tu devais être où aujourd'hui? Nulle part ailleurs. Espèce de con. Tu es déjà. Tu as honte de faux, déjà. Tu as honte de faux, il y a des qui ne me baissent plus. Sale chienne. Tu as honte de Fodja. Tu as honte de Fodja.
idiote sans valeur. Regarde-moi une crapule. Tu as honte de mon gars? Il adore quand je suis vulgaire, chienne. Et un gars, c'est vulgaire. Et dès que je suis fille de maison, imbécile, va. Nous allons nous mobiliser pour Sarah. Ouais, vous allez libérer Sarah. C'est quand tu vas venir ici enfant, on va lancer les tomates où tu es à l'hôtel. C'est que ça va se passer comme ça. On va te pourchasser en Europe. Oui, on va te pourchasser en Bain. C'est que demain 20h, je vais faire mon direct. Merde. Vous allez nous faire ça en Afrique. Ici, là, nous sommes des reines. En Bain, nous sommes des reines. En Europe, là, on nous respecte. Les femmes noires, là, on nous respecte en Bain. Nous allons vous montrer que quand vous allez faire ça en Australie, on vous attend ici, là. On se mobilise ici. Merde. On se mobilise ici, là. Ici. Maintenant, les gars, là, vous avez l'habitude de nous maltraiter en Afrique, là. Quand vous faites chier à une fille en Europe, nous, on se lève. Nous allons créer une communauté de femmes africaines en Europe. On va soulever nos fesses là. Maintenant, les Européens vont voir nos cons là devant les ambassades, même dans les rues. On va aller fermer les rues de l'ambassade du Congo là. Ça va se passer comme ça. Vous allez libérer la fille là by force. On ne suffit pas. Qu'elle n'a pas dormi là même pour un mois. Elle va se reposer là-bas pour un mois. C'est comme ça. Pendant que nous allons mener le combat. Merde. Et une fois supporter les causes des femmes, bande des femmes, des poules mouillées. C'est pour supporter les histoires des Congo. Ça, vous êtes fortes. On arrête une fois, vous encouragez quoi? Nous les Camerounais ne sommes pas comme ça. Hein? Nous les Camerounais, là, on fait la gueule, mais nous ne sommes pas comme ça. On connaît aussi Babadin. Hein? Nous, on connaît se lever pour plaider la cause de quelqu'un. C'est quoi cette histoire-là? Mais parce que quelqu'un vient vous chanter, chante quoi? Quand ils chantent, ça chante quoi dans vos vies? Vous là, vous buvez 4 bières, 50 bières par jour, vous buvez, vous chantez, après vous vivez de quoi? Vous, peuple africain, là. Hein? On est venu vous fermer les yeux avec la musique, la boisson et la musique. Et la nourriture, même la nourriture, vous n'arrivez même pas à manger. Vous vous nourrissez que d'alcool et de la musique. Et après ça, il y a quoi derrière? Rien. Une jeunesse qui ne va pas à l'école. Une jeunesse qui ne travaille pas. Une jeunesse qui ne mange pas. Une jeunesse qui pleure. Vous venez soutenir quoi? Ils se font de l'argent sur votre dos. Ils ont déjà aidé qui on a vu? Ils ont déjà aidé qui? Ils ont déjà aidé qui? Pendant que ce peuple peur. Merde. On a déjà vu que l'artiste africain auprès du peuple. Vous se battre. Ils sont toujours au côté des riches. Et quand tu vois une Sarah qui sort pour venir dire que non, il faut pas faire comme ça, la femme, on l'enferme, on la muselle. Merde, putain. J'ai envie de piquer une crise, je suis assis là. Bye bye. Tu vas aller ouvrir ton anus en faire des commentaires ailleurs, fils de pute, va. Espèce de chef, imbécile. Regarde-moi cette bande de sales poules mouillées là. Mais regardez-moi ça. Le trafic d'influence. En tout cas, toi-même, Niki, là. Hein? Faut pas venir faire que les gens meurent ici à cause de toi. Hein? Parce qu'il faut pas que nous, moi, je suis bipolaire. Hein? Je peux retourner ma veste là. Parce qu'il faut que tu te lèves, que tu aies parlé. Non, je ne veux pas ça. Mais la fille, elle m'a abusé. Pourquoi? Elle a fait quoi? Elle a pleuré la cause d'une mère qui était insultée, dénigrée sur la toile. Sarah meurt aujourd'hui parce qu'elle a vu une femme abattue, une femme encerclée, pas des blogueurs corrompus, pas des blogueurs qui ont faim, pas des blogueurs. Nous, on a au moins chez nous, les Camerounais, au moins nos followers, nous, on a nos followers qui nous donnent. Quand on a faim, là, ils vont nous donner. On n'a pas besoin d'aller faire l'amitié avec les X ou avec les Y. Nous, on a nos followers qui n'ont rien comme nous, là. Quand ça ne va pas, mais le litchi, même 10 euros, 5 euros, ça nous aide. Nous, on n'a pas besoin d'aller s'accrocher sur les poches de quelqu'un. Pour être ami avec X ou avec Y. Moi, je reste là, j'ai une de mes followers qui travaille. Elle a peut-être même ses 1700 euros. À la fin, je vais me dire que Tata Lolo, voilà, mais 50 euros, sa mère. Moi, pour, je peux faire le peuple. Je peux faire le peuple qui n'a rien. Le peuple qui te dépouille parce que c'est l'argent qu'il me donne là, il se bat pour avoir, c'est par amour. Hein? Elle a vu comment il faut mettre en secret par tout un lot de blogos, comme ce qu'on appelle la maman avec sa vache. Elle est, je ne sais pas quoi elle ressemble. Une femme qui a les ténèbres dans le noir. Elle ouvre sa sale bouche, elle parle. Maman, viens te placer, on te voit. Moi, il faut le dire dans mon voix. Tu te caches pourquoi? Idiote, tu es faux profil. Hein? Par contre, on t'a monnaie. On t'a donné peut-être des petites niettes. Tu as dit qu'on va parler à Lingala. Mais pas le moins, un peu en français. Sarah, elle s'exprime en français. Elle écrit en français. Je viens d'avoir Sarah au téléphone. Je viens de la voir au téléphone tout de suite là. Elle est au niveau du parquet. Elle n'est pas encore en prison. Elle est au parquet. Je viens d'avoir Sarah. À l'instant que je parle avec Sarah, je ne parle pas pour tourner, je ne suis pas une menteuse. Je viens de parler avec Sarah tout de suite là. C'est elle qui m'appelle et me dit qu'elle est en cellule. Elle est au niveau du parquet depuis 2 jours.
Elle sera transférée en prison demain. Et vous ne dites rien. Les têtes des morts, là, c'est ta mère que tu as en train de te rappeler d'elle. Donc, on continue à suivre l'actualité. J'ai dit à Sarah tout de suite là que Sarah, nous sommes avec toi. Je ne sais pas si tu as fait un direct, parce que moi, quand je fais mes directs, est-ce que tu as insulté la personne directement? Elle m'a dit non. J'ai raconté l'histoire en parabole et ce n'était pas leur histoire. Et quand il y a eu ce problème là, tout le monde parlait parce qu'on insultait Nikki. Moi, j'ai pris la part de Nikki en tant qu'une femme parce que je me suis senti indexé en tant qu'une mère. Alors, j'ai pris sa part. Sans toutefois indexer quelqu'un, j'ai insulté parce que je suis une blogueuse. Alors, je reste sur moi, je vais m'arrêter, on me met directement en prison, pas les hommes en civil. Parce qu'ils ont payé, 5000 dollars. Vous avez de l'argent. Mais je sais que vous êtes en train de faire, c'est que le mal que vous faites aujourd'hui, dites-vous que l'empire que vous êtes en train de construire là, vos enfants vont gérer cet empire. Parce qu'ils payeront. Ils paieront le mal que vous êtes en train de faire. Ça sera de génération en génération. Aujourd'hui, tu es roi. Demain, ton fils sera quoi? Demain, aujourd'hui, tu es roi. Tu parles. Tu as le pouvoir de détruire, d'envoyer notre en prison. Est-ce que demain, ton fils aura la même chose? Il va subir. Ou ce n'est pas ton fils, ton arrière-petit-fils. Donc, dis-vous que quand tu fais du mal à quelqu'un, demain, tu te peut te remettre. Pourquoi tu n'es pas allé arrêter les blogueurs qui insultent la mère de tes enfants? Question. Hein? Pourquoi tu n'as pas arrêté les blogueurs qui insultent la mère de tes enfants? Question. Parce qu'ils sont en Europe. Ils sont couverts. Mais là-bas, comme il n'y a personne, elle n'a pas le droit aussi de donner son point de vue. C'est-à-dire que les gens qui vivent en Afrique sont des rien donc. Ils n'ont pas de parole. Ils ne sont rien. Ils ne peuvent pas s'exprimer. On doit le museler. Une fois que tu vis en Afrique, tu n'as pas d'argent. Le pauvre, le riche peut venir te tuer. Il ne va pas en prison. Chez vous en Afrique, mais franchement, j'ai vu Sarkozy s'il est devant les barreaux. J'ai vu Sarkozy faire 48 heures de cellule. Un ancien président de la France. J'ai vu R. Kelly qui est en prison aux États-Unis parce qu'il a violé les filles. On n'a pas regardé qu'il était artiste. J'ai vu Chris Brown aller en prison parce qu'il a tapé sur une femme. Vous parlez de quoi? J'ai vu Bertrand Tavernier qui est allé en prison parce qu'il a tué sur une femme. Il a tapé une femme, elle est décédée. Vous parlez de quoi? On veut détruire les talents africains. Hé, il y a des talents en Afrique. Il y a des talents en Afrique. Il n'y a pas que ce talent en Afrique. Il y a des milliers de talents en Afrique. Les Africains sont talentueux. Ce qui leur manque, c'est des moyens. Ce qui leur manque, c'est des moyens. Et la minorité de talents qui sont là, ils font tout pour écraser ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas de moyens. Ils font tout pour fermer les portes à ceux qui n'ont pas de moyens parce qu'ils sont égoïstes, parce qu'ils ont l'esprit de dictature en eux. Ils veulent régner. Ils ne veulent pas laisser les autres aussi. Ils ne veulent pas ouvrir les portes aux autres. En Europe ici, on donne le talent à tout le monde. On voit les émissions à la télé. Il y a des Voice. Des Voice où on a repéré beaucoup d'artistes aujourd'hui. C'est grâce quoi? Parce que les Européens donnent la chance à tout le monde. Mais en Afrique, ils ne vont pas faire des Voice. Ils veulent chanter même jusqu'à ce que la dent soit arrachée dans leur bouche. Ils veulent continuer à chanter. Même s'ils ont une dent, ils veulent chanter. Alors qu'ils peuvent ouvrir la porte à d'autres. On a vu Petit Pays qui a ouvert la porte aux jeunes. On a vu Kofi Olomide qui a ouvert la porte aux jeunes. Depuis qu'ils sont là, depuis 15 ans, 10 ans, ils ont ouvert la porte à qui? Des égoïstes. Et ils veulent détruire la vie d'une mère qui s'est levée pour plaider la cause d'une femme, soi-disant parce qu'ils ont les moyens. On t'attend en France. Qui est venu commenter ici? Ici, là, c'est Ben. On t'attend en Ben. Ça va se passer ici. Ici, là, on va venir faire comme les femmes russes, là. D'importe où vous êtes. Dès qu'on arrive quelque part, on enlève les habits. BFMT va nous filmer. Oh, vraiment. Vraiment. Oh, vraiment, quelle honte. Quelle honte. Quelle honte pour ce beau continent où les mères se lèvent le matin pour aller travailler dans les champs. Quelle honte, quelle humiliation de la femme africaine. Quelle déception pour un artiste aussi de talentueux et de renommé. Quelle honte. À ce bas niveau, on a pensé que l'artiste est camerounais ici. Je me suis en prise à Lady Ponce. Lady Ponce ne m'a jamais porté plainte parce qu'elle a compris que c'est le game. Hein? On insulte Chantal ici tous les jours. Chantal ici a porté plainte à qui? On insulte les artistes camerounais, les petits pays, les longues. On insulte tout le monde. Est-ce qu'ils ont appris? Ils ont utilisé leur autorité pour aller enfermer quelqu'un au Cameroun? Jamais! Jamais ils ont fait ça! Parce que c'est ça que nous sommes les fans! On ne dit pas qu'on est Coco Agenté. On ne dit pas qu'on est Blanche Bailly. On ne dit pas qu'on est Daphné. On ne dit pas qu'on est Malos. On leur dit tous les mauvais mots. Ils sont aussi des artistes. Mais ils sont là, ils ne disent rien. Ils ne portent pas plainte. Parce qu'ils comprennent qu'ils sont des personnes publiques. Ça peut arriver, mais qu'est-ce qui a causé ça? L'individu ne se pose pas la question que qu'est-ce qui a causé ce problème? Mais amène, envoie ta soeur en prison qui est venue insulter une femme devant nous. C'est ta pute de soeur, c'est ta chienne de soeur, c'est cette paperasse qu'on appelle soeur qui a le culot, le toupet
insulter une femme qui t'a donné deux enfants dans un direct. Et ça nous interpelle, nous les mères. On s'est fâché, nous, mais ça ne peut pas arriver. C'est là où on a qu'on va poser problème à main. Mais pourquoi tu n'arrêtes pas ta soeur? Parce qu'elle est ta soeur. Pourquoi tu arrêtes Lola? Parce qu'elle a personne. Bravo. Un jour, nous sommes là. Même les avions que vous prenez là tous les jours là. Les avions que vous prenez, vous êtes dans les jets privés, les premières classes. Ça va faire crash. Boum! On va plus entendre parler de vous. Vous êtes seulement un souvenir. Vous allez rester là juste dans les souvenirs. Continuez à faire du mal. La fille qui dort, Natala, c'est qu'elle est sûre qu'elle. Il y a un Dieu. J'ai dit que vous êtes puissant. Mais la puissance que Dieu a, vous n'avez pas. Et il est caché, il vous voit. C'est ça qu'on appelle la vraie âme. C'est l'âme. C'est ça qu'on appelle le vrai, l'homme qui réagit sans que tu ne le vois. C'est Dieu, c'est la nature. Quand la nature va s'abattre sur vous, vous allez lire. Vous allez vous lever, comme on va lire, vous allez même chanter. Il n'y aura plus la voix. Ici, dans la terre, si on a tout vu, il n'y a plus la voix. Nous avons vu les doux s'agapper à son âme, qui a créé le conseil de couper décalé. Il était comme ça, comme... franchement, quand je pense les larmes aux yeux, même pour tenir le micro, pour chanter, n'arrivait plus. Quand vous allez payer, c'est pour faire du mal aux enfants des gens. À cause que vous avez la gloire, vous avez l'argent, vous avez les comptes bancaires pleins, vous vous permettez de détruire la vie des autres. On fait celui-là avec sa bouche qui est comme la gomme là. Il ose dire que toi là, le voilà, tu vas me faire quoi? Je vais déterrer tes morts. J'attends que tu prononces mon nom. Je vais déterrer tes morts. Tu ne me connais pas bien, tu entends seulement. Toi, tu es pasteur Satan, moi je suis mamie à ta puce avec mon Dieu dedans. On va se faire ça 800 vaseline. J'ai même besoin de follow, ajoute-moi. Merde. J'ai dit, hein, vous allez lire l'avion que vous prenez, que vous baillez les jets privés, le pilote va voir le noir en haut là-bas. Le pilote va voir le noir. L'avion va bam bam. Vous allez même chanter Christ cardiaque, bam, sur le micro là. Quand on ne fait pas du mal, le seul homme qui a. Mais appelle ta soeur. Ben oui. Tu appelles ta petite soeur ou ta grande soeur. Ben, je suis à Congo. J'écoute des choses. Je suis là. Viens, on va discuter. Pourquoi tu parles de moi? Je suis quand même. Voilà. Vous expliquez. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle va s'expliquer avec toi. Vous allez discuter comme des grandes personnes. Alors, tu vas dire que prochainement, je ne vais plus entendre parler de moi parce que j'ai une carrière en jeu. J'ai une vie. C'est arrivé. Je sais que ce n'est pas votre. Quoi? Ce n'est pas votre tort. Si ma soeur n'était pas venu dans les réseaux sociaux avec cette histoire, vous n'aurez jamais parlé de ma vie privée. Mais si vous parlez de ma vie privée, c'est parce que c'est venu de ma propre famille. Ne serait-ce que pour ça, je vais vous excuser. Mais passez à autre chose maintenant parce que j'ai pris les choses en main. Un homme intelligent, c'est comme ça qu'il le fait. Un homme intelligent ne se comporte pas en bavard. Un homme public ne se comporte pas en sauvage. Un homme qui n'aime pas les personnes ne se comporte pas comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Alors si la fille répète, l'homme va te donner une raison comme lui. Il a essayé d'entrer en contact avec la personne. Il a parlé, mais juste là, ça continue. Je vais alors réagir maintenant. C'est comme ça. Mais tu ne veux pas prendre l'enfant de quelqu'un. Tu l'amènes directement en prison. Bravo. Tu as atteint l'objectif. Tu as chanté au Bercy. Tu as chanté au Gratte-Ciel. Qu'elle reste là-bas en prison. Vraiment. Oh, je suis dégoûté, hein. Franchement. J'ai dit que nous les Camerounaises, là, on insulte nos artistes là tous les jours. Jamais tu vas voir nos artistes là aller nous porter plainte. Parce que nous sommes des fans. Parfois, on peut avoir des crises. Demain, quand elle dit poser les poils à son mari ici, là, qu'est-ce que nous tous on n'a pas dit ici? On dit seulement que Lolo, je peux sortir les directs de tous les blogueurs qui ont parlé. Mais comme c'est moi qui avais plein de monde ce jour-là, c'est ma vie Lolo. Mais les blogueurs ont parlé. Est-ce que Lady Ponce Level avait porté plainte à quelqu'un? Elle a pris sur elle. Et si mon mari était venu mettre mes choses dehors, les gens n'avaient pas parlé. Elle a compris que ces personnes ont mis ça dehors. C'est comme ça. C'est comme ça. On a vu les chanteurs ici. On ne dit pas quoi les chanteurs ici. À un moment donné, elle est partie à porter plainte. Parce qu'elle avait peur de chanter. Mais depuis, elle a décidé qu'elle passe à autre chose. Même quand elle ne dit rien. Elle peut se défendre quand elle fait un direct. Elle se défend. Elle dit, bon, quand vous voulez qu'on se comporte en sauvage, moi, mais je peux enlever ma veste d'artiste, je me comporte comme vous. Elle vient dans le ring avec nous. Mais est-ce qu'on a vu un artiste camerounais aller porter plainte à quelqu'un? Le trafic d'influence, mes frères africains, vous vous plaignez, vous dites, oh, il y a la dictature en Afrique. Est-ce que vous êtes prêts
à être libéré? Question qu'il faut se poser. Est-ce que vous êtes prêt à la liberté? Est-ce que vous êtes prêt d'accepter la liberté? Est-ce que vous êtes prêt à vous aimer? Est-ce que vous êtes prêt à vous comprendre? Est-ce que vous êtes prêt à changer entre vous les Africains? Est-ce que vous êtes prêt à tout cela? Est-ce que vous êtes prêt à dialoguer? Jacques, on dialogue sur un sujet, on ne sort pas de ce sujet-là. Est-ce que vous êtes prêt à vous regarder dans les yeux et vous dire qu'on s'aime malgré tout? De sortir dans un débat et vous regarder dans les yeux et vous couper une vie ensemble. Est-ce que vous êtes prêt? Je ne pense pas. Donc, c'est vraiment la dictature. On doit vous gouverner en dictature. Parce que si on vous laisse le laisser aller, vous allez chier dans la bouche des gens. Regardez l'injustice africaine. La justice africaine, c'est la justice la plus odieuse du monde. Vraiment la justice qui fait honte. Quelqu'un n'a pas fait. Franchement. Diffamation de nom. Mais en France, on voit qu'on ne t'envoie pas en prison. On te colle une amende. On te donne des soucis. Que voilà, tu restes dehors, mais tu payes ton amende. Mais on ne va pas envoyer quelqu'un en prison parce qu'il y a une diffamation de nom. Mais c'est quoi cette histoire? Mais on vit dans quel monde là? Franchement, hein, logique que je vais mourir. Hein, laissez-moi partir. Pardon. Je n'aurai pas de regrets. Parce que ça ne vaut pas la peine de vivre dans un monde où tu vois des injustices, tu ne peux pas parler. Où tu vois des injustices, tu ne peux rien dire. On sert alors quoi? Aussi, on décide, Dieu a dit aidez-vous les uns et les autres. Si nous sommes incapables d'aider les gens, nous, on a fait notre façon d'aider les gens en parlant, en sensibilisant, en donnant notre point de vue sur certains sujets. C'est notre façon d'aider les gens. On a dit aidez-vous les uns et les autres. Si on n'arrive pas à aider, à quoi sert le monde alors? Sinon, on ne peut pas aider et que demain, nos enfants vont subir de l'injustice qu'on voit à l'autre. On n'est pas capable de dire que ce qu'on voit là, c'est l'injustice. Si on n'est pas capable de dénoncer ça, ça veut dire que ça sera la continuité. Même nos enfants qu'on accouche vont subir de ça. Et ça, à quoi sert cette vie? Pourquoi nous vivons? Pourquoi nous sommes là? On sert à quoi? Tu vois, quand une blanche est décédée, on va dire la mère Teresa, elle est morte, elle n'a pas eu d'enfant dans la vie, mais tous les jours, les gens prient à son nom parce qu'elle était, elle a servi le peuple, elle a servi le peuple du monde, elle a servi des individus qu'elle ne connaissait pas. Tu vas d'abord parler des sujets, on va parler des noms des femmes qui n'ont même pas, les femmes qui n'ont même pas, qui font des longues, elles n'ont pas fait des longues études juste parce qu'elles ont plaidé une cause humanitaire. On ne les oublie jamais. Elles ont été utiles dans la société. Mais toi qui es mère, tu as tout, tu ne plais de rien. Tes enfants vont subir demain. Tu fais quoi dans ce monde? Quand je vais mourir, laissez-moi partir. Il y a des moments, je dis même quand je pleure ma mère. Je pense que elle est là-bas, elle est bien. Elle est heureuse. Elle est sortie de tous ces problèmes-là. Parce que moi, j'aime pas l'injustice. J'aime pas l'injustice. J'aime pas voir les gens pleurer. J'aime pas voir les gens souffrir. Quand tu as atteint un système, un niveau de la vie, moi, je ne peux pas envoyer quelqu'un en prison. Ça, je ne peux pas me mentir. Je ne peux pas avoir le courage là d'envoyer quelqu'un en prison. Seulement si je ne peux pas envoyer quelqu'un en prison parce que la personne m'a insulté. Je ne peux pas. Je ne peux pas envoyer quelqu'un en prison parce que la personne m'a dénigré. Je ne peux pas. Je ne peux pas envoyer quelqu'un en prison peut-être si la personne a voulu me tuer. Quelqu'un, la personne fait quelque chose de grave. Là, je ne peux pas envoyer la personne en prison parce que c'est la loi qui le demande. Mais je ne veux pas pouvoir envoyer quelqu'un parce que la personne a parlé sur les réseaux sociaux. Mais c'était un game. Il y avait les pro-toi, il y avait les pro-Niki. Ça veut dire que chacun donnait son point de vue. Il y avait les engueulades, il y avait les mots durs qui sortaient. Ce n'est pas ça qui va causer la prison à quelqu'un. On appelle le trafic de l'influence. Tu veux utiliser ta notoriété d'artiste en carton pour moi. Artiste sans cervelle, qu'on écrit les chansons pour lui chante. Parce que je me prends la gueule, c'est toi qui compose les chansons. Il y a les gars talentueux qui dansent avec toi. Peut-être c'est eux qui composent les chansons. Tu viens, tu voles. Tu viens chanter, tu dis que c'est toi qui chante. On n'ignore pas ça. Mais on accorde ça. Mais vous voulez détruire la jeunesse. On fait cela qui a les lèvres comme la peau du bœuf là. Ils se disent que vous parlez les affaires des gens. Moi je peux parler les affaires en Côte d'Ivoire parce que j'ai la notoriété en Côte d'Ivoire. Tu vas écraser les Ivoiriens. Mais tu ne vas jamais écraser une Camerounaise comme moi. Tu vas tirer à terre. Parce que moi je suis une autre. Et t'attends. Puis FM, je vais déterrer tes morts. Donc, mes chères soeurs africaines. Ce que vous sentez mère, solidarité féminine. Parce que cette femme-là, elle est en prison pour la cause des femmes. Solidarité féminine. Ils sont forts ils sont forts en Afrique parce qu'ils sont amis avec les autorités africaines. Ils sont amis avec les procureurs. Ils sont amis avec les ministres. Ils sont amis avec les généraux. Ils sont amis avec les chefs d'État. Pendant que le peuple africain souffre, ils font des amitiés avec eux. Puis ils veulent nous nuire. Nous allons nous mobiliser.
Vas-y. Tu me parles pas comme ça. On me parle pas comme ça sur ma part. Tu crois que je suis là pour regarder les histoires de Nikkei, de machin? Moi, je suis pas là pour regarder. Je parle d'une femme qui est enfermée. Les histoires de Boursa, ça m'intéresse pas. Je dis que la femme-là ne peut pas être enfermée. Parce que c'était dans un game. Les gens de Nikkei ont insulté là-bas. Ces gens ont insulté là-bas. C'était un game qui s'est placé. Donc, les gens des deux côtés avaient les yeux. Ce que la star devait faire, vu son statut, il devait aller au Congo, appeler cette fille ou faire une confrontation au commissariat. On appelle ça une confrontation. Donc moi, est-ce que tu m'as vu un jour dans vos histoires? Est-ce que tu m'as vu un jour dans Facebook? Alors il est temps que tu arrêtes. Je t'accorde des excuses peut-être parce que c'est ma famille qui a ramené ces histoires dans les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle je peux parler loin avec toi. Même si tu es allé dans l'extrême, je peux parler loin parce que je peux accorder, c'est ma soeur qui a ramené ça dans les réseaux sociaux et la mère, ma femme, qui a ramené ça dans les réseaux sociaux. Mais comme il en est ainsi, je t'ai amené ça devant le juge pour te donner un avertissement que ça ne se répète plus. Parce que je suis arrivé, je vais arranger ça en famille et que ça, on ne doit plus entendre parler. Point barre. Je pense que même la blogueuse devait avoir un tic dans sa tête pour dire que non, là ça va déjà un peu loin, ça on va déjà amener ça avec lui, il faut que je lave mes mains. Elle veut se laver. Mais c'est pas que tu viens, tu prends quelqu'un, tu amènes en prison comme ça parce que tu veux montrer à tes gens que tu es le plus fort. Il n'y a pas le plus fort sur la terre. Le seul homme qui est fort, c'est l'invisible là qu'on ne voit pas. C'est l'homme invisible là qu'on ne voit pas. C'est lui qui est fort. Vous n'êtes pas fort. Vous êtes fort sur la terre, vous avez la possibilité de monnayer, de sortir l'argent facilement et de donner. Mais quand il faut agir, celui qui a le seul, le dernier mot, c'est celui que tu ne vois pas. Il est derrière toi, il est devant toi, il est nu, il est dans ta chambre, il est dans ton âme, il est dans ton esprit, il est dans ton corps. C'est lui seul qui a le seul mot. Donc il faut avoir la crainte de Dieu. C'est comme ça qu'on fait. On ne veut pas qu'on va envoyer une femme en prison parce qu'elle est venue parler. Mais ceux qui ont parlé de l'autre côté, tu leur accordes qu'ils avaient humilié celle qui t'a donné deux enfants. Ça veut dire que tu es un irresponsable. Pour moi, c'est la conclusion. Tu es un irresponsable. S'il faut fermer la bouche de ton côté et qu'on ne doit pas fermer la bouche du côté de la femme qui en humilie, ça veut dire qu'il faut fermer la bouche. Où vous êtes réunis en famille pour venir nous détruire, nous les blogueurs. Vous êtes venus détruire nous, vous êtes venus, comment dire, vous êtes venus nous détruire. Je ne sais pas. En tout cas, nous allons continuer à nous mobiliser. Je pense que la team Nikki, ils sont en train de faire des choses. Il ne faut pas se voir. Nana, merci beaucoup, Nana Mabi. Nous allons nous mobiliser. Je viens d'avoir Sarah au téléphone. Sarah est au niveau du parquet. Elle sera transférée. Irène, bonjour. N'oubliez pas le litchi. Parce que vous aimez bien qu'on parle des choses comme ça. Nous avons les enfants au Nozo. Vous-même, vous les Congolais là, qui venez dans ma page. Vous êtes tout à l'heure. Parle. Moi aussi, comme je parlais là. Ma salive, si. Je peux la saliver. Je peux bavarder pendant 4 jours. Sachant que quand il va finir de bavarder, vous allez mettre 1 euro dans le litchi. Pour venir en aide à mes frères camerounais qui ont fui la guerre du Nozo. Ils sont déplacés, ils sont partis se cacher. Ils sont partis dans une autre ville du Cameroun. On appelle là-bas Makepe Musoke. Ils sont là-bas, ils sont 300 personnes. Il y a des morts parmi. Il y a ceux qui ne mangent pas. Ils n'ont pas de lumière. Ils n'ont pas de toilette. Ils ont besoin d'aide. Donc moi, je peux bavarder pendant des jours. Mais c'est que derrière ça, je peux avoir quelque chose. Bon, quelques petits billets de 5 euros, 10 euros, 100 euros, 30 euros. Même 500 euros pour apporter de l'aide à ces personnes-là qui en ont besoin. Parce que notre rôle, ce n'est pas seulement de venir parler des histoires des gens. Vous voyez comment on risque nos vies. Voilà aujourd'hui Sarah qui est en prison. Elle a risqué sa vie pour une femme. Parce qu'elle venait plaider la cause d'une femme. Aujourd'hui, elle est déjà en prison. Elle avait sa fondation pour venir aussi à l'aide aux personnes. Nous aussi, nous, quand on parle comme ça, on a besoin aussi de l'aide pour aider les autres. On ne prend pas pour mettre dans nos poches. On prend aussi pour donner le sourire aux enfants qui ont perdu leur maman dans la guerre. On prend aussi pour donner du sourire aux mamans qui ont perdu leur mari, les veuves, les orphelins qui sont là-bas cachés. Ils ont besoin d'aide. Il n'y a pas d'argent parce que les plus riches mangent. Les pauvres ne mangent pas. Alors moi, je vais vous demander, genre la diaspora, que pardon, donnez-moi 10 euros, 20 euros, 5, même 2000 euros. Je peux plus aller même donner aux gens là que. Comme il n'y a pas les toilettes, on va construire. Voilà ce que la diaspora a envoyé. Mettez même encore 3, 4, ça serait un souvenir, nous refaire un don. Derrière mon litchi en ligne, cotisé aussi. Donc, continuez à nous mobiliser. Nous allons trouver un jour, nous allons attendre demain, si Sarah est transférée en prison, demain, nous allons commencer à faire une mobilisation où nous allons aller se mettre à l'ambassade du Congo en Belgique, où nous irons, parce que le président Tshisekedi doit être au courant de cette histoire. Le président Tshisekedi qui s'est battu contre Kabila pour prendre le pouvoir, pour lui faire protéger le peuple congolais. Il s'est battu. On a vu comment on a agressé le président Tshisekedi en plein au Congo. Il s'est battu pour prendre le pouvoir. Il a dit qu'il est auprès du peuple. Il est auprès des pauvres. Il est contre l'injustice.
Alors il faut que le président Tshisekedi soit au courant de ce qui arrive au Congo. Donc nous irons ensemble à l'ambassade. Parce que dès que l'ambassade est touchée, le président est au courant. Si l'ambassade est touchée, le président est au courant. Nous irons frapper fort à l'ambassade du Congo en France. Ou nous irons frapper fort à l'ambassade du Congo en Belgique. C'est parce que je ne suis pas congolaise. Je suis panafricaine. Je suis une femme africaine. Donc je plaide la cause de la femme africaine. Je n'ai pas besoin d'être congolaise pour plaider cette cause-là. Moi, j'ai ma nièce qui est congolaise. L'enfant de mon grand frère. Elle est congolaise de Kinshasa. Donc je peux parler. Donc il n'y a pas une histoire de parler des histoires du Cameroun. Je parle des histoires du Congo. Quand un Français parle l'affaire de la Belgique, le Belge ne dit pas que parle des histoires de la France. Alors vous allez changer vos mentalités la partie de maintenant là. C'est comme ça. Et pas autrement. Donc, n'oubliez pas mon lien qui est en ligne. Continuez, on va attendre demain. Nous allons attendre demain. Si c'est l'ambassade de la Belgique, la team Niki va nous donner les informations. C'est ce que nous allons faire. Nous allons attendre demain. Demain, on va voir si elle sera transférée en prison. Parce que pour le moment, j'ai eu Sarah. Sarah est encore au parquet. Elle est dans la cellule du parquet. Elle n'est pas encore déférée. Elle n'est pas encore en prison. Elle a deux pas de la prison. Donc demain, elle sera présentée devant le juge qui va décider de son sort, où elle va en prison, où elle est libérée. Donc demain, nous allons attendre le verdict de demain. Dès qu'on sera informé qu'elle est partie en prison et qu'elle soit libre, à partir de là, nous allons prendre une décision. Nous allons nous mobiliser. Nous allons nous mobiliser pour venir en soutien. On n'a pas retenu que tu soutiens Fali. Au revoir. Va le soutenir dans ta pute de chambre, sale chien, va. Imbécile. Tu crois que c'est ma poche qui est venue soutenir les riches? Hein? Ici, là, on ne soutient pas les riches. Je vais faire appel aux combattants congolais. Ça va se passer comme ça. Je vais faire appel aux combattants congolais. Vous allez lire l'heure. Ça va s'arrêter. Vous allez lire l'heure. Ce qui va se passer là, c'est peut-être, c'est quand vous cherchez, vous causez. Oh, je vous ai dit que c'est un seul individu qui a fait le printemps arabe. C'est une seule personne qui fait tomber quelqu'un. Faites très attention. Peut-être vous blaguez. Donc, lui, c'est lui qui l'a porté plainte. C'est lui qui l'a porté plainte. La plainte, c'est pas quelqu'un d'autre qui a porté plainte. Hein. Je vous le rassure, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui a porté plainte. Donc, c'est lui qui a porté plainte et la fille au niveau du paquet. Elle est au niveau du paquet. Demain, le juge va décider de son sort où elle sera déférée ou elle ne sera pas déférée. Voilà. Mais un big up aux artistes camerounais qui encaissent tous les jours sans rien nous faire. Big up à vous, mes artistes. Je vais commencer à jouer ce mameux. Je vais commencer à être alors une fille que je joue qui se met à la musique des gens de chez nous. C'est comme ça. Voilà. Il va encore venir chanter au Cameroun. On va vous boycotter là-bas. On va vous lancer les cailloux. Parce que chez nous au Cameroun, on ne connaît pas la haine. Nous, on s'insulte matin, midi, soir là. Mais on a des limites. Avec la Côte d'Ivoire, même les Ivoiriens ne connaissent pas ça. C'est quoi? On le connaît, on insulte ici là tous les jours des bonnes Koufa. N'a jamais porté plainte à quelqu'un. Hein? Jamais. On insulte à Rafael si un matin, midi, soir, n'a jamais porté plainte à quelqu'un. On insulte José, ne dit rien. On insulte tout le monde, ne dit rien. Mais vous voulez nous montrer quoi? Quoi? Mais t'as la merde, un schlock. On voit les Ivoiriens là qu'on insulte souvent Arafat, c'est qu'on fait les. Quel est le blogueur qui n'a pas insulté Arafat, le feu Arafat ici? Quel est le blogueur? Arafat est un influamento. Quand on dit qu'un influamento de la musique africaine, il n'a jamais porté plainte à quelqu'un. Jamais. Il faut sortir de votre mentalité de clochard là. Les gens ils sont de la boue là, qui ont été levés dans le matiti là. Faut arrêter ça, hein. Et parvenu de merde comme ça, là. On te chasse avec les cailloux à Simalène. Tu veux qu'elle te bloque? Regarde-moi son sale maquillage. Maquillage plantain brûlé. Idiote. Va boire le butation. Je vends le butation, je vais acheter. H-lock. Hein? Je l'ai bloqué. Mais les Ivoiriens, quand un blogueur ivoirien prend c'est un artiste ivoirien, il finit avec lui. Jamais il va porter plainte. Il ne va jamais porter plainte.
Après, le lendemain, tu le vois, il est même avec l'artiste, ils sont en train de causer. Il n'y a plus de problème, ils oublient. Elle vient là. Oh, wow. Je perds mon temps. Hein. On attend le pasteur, sans pasteur des églises de Facebook, sans pasteur de direct de Facebook, sans pasteur boost du communia. On attend. Il a eu le classé de mer. Je dirais qu'on avait touché le type au premier direct. Il a été touché. On l'a touché. Il a senti que le camion est monté sur lui. Maintenant, il veut maintenant se moquer de nous pour dire que, comme ils ont été faibles, les plus faibles utilisaient de l'argent, les plus forts sensibles avec la bouche, nous tous les cœurs avec ce qui sort de nos bouches. On n'a pas besoin de monnaie. Donc maintenant que vous avez vu qu'on vous a battu spirituellement, avec les directs, on a parlé, Dieu nous a donné la foi et le courage et l'énergie de convaincre l'opinion publique, de convaincre les femmes qui étaient un peu retentissantes. Les convaincre les hommes, de beaucoup de personnes, ils ont senti comment dans leurs commentaires, les commentaires ont chuté. Les commentaires ont chuté, on a vu les statistiques. Comment les choses ont chuté, on voit plus que non. Si on laisse, il faut qu'on doit courir. On doit prendre une autre stratégie. La deuxième stratégie, c'est quoi? De leur fermer la bouche, de les envoyer en prison. Oui, nous avons vu les Moïse. C'est ça qu'il s'agit. Oui, spirituellement, dans le combat, on vous a gagné. Dans le combat, vous avez les 20 000 abonnés. Nous, on a les 2 000 abonnés. Mais nos 2 000 abonnés là, c'est qu'ils sortent de là convaincus. Vous avez 100 000 abonnés. Vous avez 10 000 abonnés. 5 000 de fois abonnés que vous payez les vues sur Facebook. 5 000 de fois abonnés que vous n'arrivez pas à convaincre. Nous, on a 2 000 abonnés. On a 3 000 personnes en ligne. Mais nous réussissons à convaincre les 3 000 personnes. Et quand ils partent de notre direct, ils disent waouh! Attends, le nous a bourré les oreilles avec les cris. Elle a tellement aboyé. Mais au final, nous en sortons avec quelque chose quand même. C'est ça, le blogueur. Mais c'est le manager au bien t'envoie le tuyau là. C'est ça, le blogueur. C'est ça, l'homme. Oui. J'ai bloqué. Elle n'a qu'à commenter encore. Elle est où? Je vais la bloquer. Elle va venir encore. S'il est le meilleur, c'est parce qu'il est venu chez nous. Parce... On vous a battu. Je suis allé dans vos pages. Statistiquement parlant, les commentaires avaient baissé. Oui, parce qu'on a touché l'opinion. Les commentaires ont baissé. Les gens ont changé l'opinion, mon frère. Les gens ont changé d'avis. Vous avez 10 000 personnes en ligne. Les fautes, les personnes, il y a 100 Chinois. Il y a 5 000 Chinois. 5 000, les 5 000 Chinois qui sont en train de regarder, 6 000 Chinois. 4 000 là, c'est les bons 4 000 vraies personnes qui sont en ligne. Mais nous, on a 3 000 personnes, les 3 000 là sont vraies. Donc dans les 4 000 qui vous restent, parce que dans 5, dans 10 000, il y a ou même dans 15 000, il y a, on appelle ça la marmaille. C'est trop facile, je vais vous expliquer ça dans les prochaines directs. Je vais vous expliquer pourquoi ils font ça. Je vais vous expliquer, quand vous êtes bêtes dans les réseaux sociaux, vous avez les têtes de Tao, avec plein de bruit à l'intérieur, les beignets haricots à l'intérieur, vous n'avez rien dans le cerveau. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle ça le marketing. C'est le vol. C'est les marmailleurs qui font qui utilisent ce genre de stratégie-là. Ils vous font comprendre que oui, ou maman, il a les vues. Hein. Il n'y a pas les vues. C'est des insolvables. C'est des personnes qui n'existent pas. Il y a 6 000, il y a 15 000 personnes en ligne. Dans les 15 000 personnes, les vrais personnes en ligne, c'est 4 000. Le reste, c'est les 11 000. C'est là qu'ils n'existent pas. Ils sont là, pape. C'est pour appeler la clientèle. C'est pour marmailler. Et vous êtes blasés. Nous, on reste avec nos 5 000 personnes. Nos 4 000 personnes de vrais. Nous réussissons à convaincre les 4 000 personnes qui sont là. Nous réussissons à leur faire comprendre que c'est comme vous a dit là. Le blanc, c'est le noir. Le rouge, c'est le jaune. Le vert, c'est l'orange. On réussit à vous à pas parce qu'ils sortent de nos bouches. Que non. Quand tu sors de mon direct, tu dis waouh. Ouf. Tu souffles. Tu dis waouh. Attends, le loin, il nous a saoulés ce soir. Ben, dis donc, les aboiements de ça, il avait une. Ben, dis donc, il criait fort, putain! Mais quand même, il y a un petit mot qui redit après avoir dit waouh! Ah, ben là, les aboiements étaient détaillés. Dans le loin, il a crié. Mais après, il y a un petit mot qui revient. Après tout ce que tu t'as exclamé là, mais quelque part, elle m'a convaincu. C'est ça qui est l'essentiel. C'est le résultat qui t'a. Elle m'a convaincu.
malgré qu'elle criait, elle a dit quelque chose de très pertinent. Mais sur toi là-bas, il n'y a pas ça. Ah, dis donc, c'est un tintin, c'est un guignol, dis donc. Ah, c'est ça la différence. C'est là où on vous a combattu. C'est là où on vous a gagné. C'est là où on vous a gagné. On vous a gagné parce qu'on vous a touché. Parce que si moi, le Fodja, toi qui te dis le plus grand influenceur des réseaux sociaux, toi qui te dis que c'est toi qui couronne les réseaux sociaux, en dehors de toi, il n'y a personne. Comment c'est fait que tu peux venir t'intéresser au direct d'une fille qui n'a que 2000, qui n'avait que 3000 personnes en ligne? C'est une question que je vais me poser. Je me pose bien la question. Il y a les nyama nyama là qui me suivent dans les réseaux sociaux, je ne les regarde pas. Je peux insulter quelqu'un à courir les réseaux sociaux parce qu'elle, on la connaît. Je peux bien, je n'ai plus bien la faire connaître. Je ne peux pas dire fabriquer parce que je ne peux pas fabriquer un être humain. Je ne peux pas leur donner la visibilité. Mais il y a des personnes qui disent qu'elle va mourir là dans le noir. Elle va payer de moi 100 ans. Je ne vais pas répondre. Parce que c'est quoi? Son objectif, c'est de quoi? De venir me piquer quelques abonnés. Parce que quelqu'un clash de l'eau. Et on va dire, on clash de l'eau là-bas. Tout le monde sera intéressé. L'eau a répondu à qui? Elle s'appelle qui? Elle s'appelle qui? Étoile, l'étoile crivienne. Ah oui, on va sur sa page. Elle va répondre à l'eau. Elle va répondre. Elle va répondre demain. Chacun qui va suivre mon direct, il va entendre le nom de l'étoile crivienne. Il fera tout pour aller s'abonner là-bas, pour regarder, pour écouter la riposte de l'étoile crivienne. Et quand il écoute la riposte de l'étoile crivienne, quelque part l'étoile crivienne peut convaincre ceux qui sont allés s'abonner. Ça veut dire que si tu as envoyé peut-être 500 personnes, elle peut réussir à convaincre 200 personnes. Elle a atteint son objectif. Mais comment une personne qui a plus de 5000, plus de 1 million d'abonnés, plus de 15 000 personnes à lui quand il fait le direct, qu'est-ce que tu vas venir regarder le direct d'une personne qui fait le direct là que 3000 personnes? Les conneries là. Tu viens venir, tu regardes quoi dans les conneries? Tu fouilles quoi dans les poubelles? Tu fouilles quoi dans les poubelles? Ça veut dire que au fond de toi, intérieurement, tu sais que tu vis dans le faux. Que ta maman, tu es dans le faux. Entre temps, tu culpabilises. Et tu as les yeux sur ce qui fait en vrai. Tu dis, waouh, je vais aller piquer ces folleurs. C'est la raison pour laquelle tu veux parler d'elle. Parce que, étant donné qu'elle n'est pas dans la mamaille, elle fait ses directs, elle mérite ses vues. Ça veut dire que quelque part, c'est une fille qui est intéressante. Pourquoi pas essayer là-bas? Pour aller avoir quoi? Pour être des petits clients? Oui, on ne sont pas bêtes. Je ne suis pas bête, moi. Oui. Je ne suis pas bête. Oui, oui. Pourquoi ne pas aller, mais c'est un clown. Pour moi, c'est un clown. Parce que tu ne vas pas dire que tu as les followers. J'ai 10 000 personnes en ligne, 15 000 personnes en ligne. Mais qu'est-ce que je vais aller regarder une fille qui fait le direct avec 500 personnes? Putain, moi, je suis malade ou quoi? Je vais aller regarder une fille qui fait le direct avec 50 personnes, 100 personnes. Non, mais je ne vais pas regarder son direct. Je peux regarder, bon, peut-être quand je m'ennuie le soir, il dit, bon, voilà, il y a rien à dire, il y a rien sur Facebook. Je vais mettre ce direct-là pour rigoler, pour écouter ce qu'elle dit de moi. Mais je ne vais pas prendre mon téléphone puisque je vais répondre à quelqu'un qui n'arrive pas à sensibiliser à tenir 500 personnes dans un live ou 100 personnes pour venir parler de quoi. Donc, quand tu vois que tu es dans le faux, il va falloir aller regarder là-bas parce que là-bas, il y a le vrai. Là-bas, c'est la vérité. Chez moi, c'est le faux. Alors, s'il y a 5000 followers, s'il y a 10 000 personnes qui me suivent, qui sont en live, il y a peut-être 3000 qui sont vrais ou 2000 qui sont vrais. Alors, je vais aller choper les vrais chez elle. Je vais la clasher. Parce que quand il vient regarder la page, il voit qu'elle a plus de 200 000 abonnés. Elle n'a pas fait la tricherie. Ça veut dire que ses abonnés sont vrais. Je vais aller récupérer les cœurs sensibles et il dit qu'il va venir me parler. Man, viens bien. Pas que tu coins mal ton pied. Si tu coins bien ton pied, viens. Oui, viens. Tu vas faire ça aux Ivoiriens. Mes frères Ivoiriens là. Mais je sais que là-bas, voilà, on te tient. J'ai vu ici là comment tu vas donner, tu vas être mis dos mur. Dos mur. Il a fallu aller négocier. Donc, si on vit comment la fille, dans le noir, j'avais 1200 personnes. Dès qu'on a fini notre direct, l'individu a couru, il est parti faire le direct. Tu sentais que la cible était touchée. La cible était touchée. Dans le noir, à 2h30 du matin, la cible n'a pas dormi. Parce que nous, les vraies personnes, les enfants de Dieu, nous sommes mobilisés dans notre direct. On a parlé, on a convaincu, on a touché les cœurs. Le diable n'aime pas ça. Le diable veut tout combattre les enfants de Dieu. Alors le diable utilise les balais et les trucs sataniques
pour nuire aux affaires. C'est la raison pour laquelle le diable est entré en action. Le diable va envoyer notre Sarah, la Winnie Mandela de l'Afrique, en prison pour nous faire taire. Mais nous avons notre Bible et nous croyons en la nature. Nous croyons en nos ancêtres. Vous allez pleurer. Qui rit les premiers, pleurant le dernier. C'est qu'est-ce que vous allez pleurer? Nous, on n'a pas d'argent. On n'a pas. Notre âme, c'est de parler, de crier, d'aboyer. Votre âme, c'est d'utiliser votre argent. Mais nous, on a nous, on a notre protecteur. C'est notre Dieu. Parce que c'est lui qui est plus fort que votre argent que vous tenez en main. Affaire à suivre. Bonne soirée. C'est direct, je vais l'effacer. Parce que dans le noir, je n'aime pas faire direct sur un cas ouvert. C'était précipité, je suis assis dans ma cuisine. Je suis en train de boire un verre, un thé, parce que je suis en plein régime. J'ai trop plus de kilos, j'ai plus 9 kilos de plus. Donc je me bats pour perdre ça. Je suis très fatigué. J'ai vu Sarah, je suis là que Sarah n'est pas encore en prison. Sarah est au niveau du tribunal. Elle est dans les cellules du tribunal à Kinshasa. Au cas où elle est en prison, demain, nous allons prendre des mesures fermes. La diaspora, la femme africaine de la diaspora, nous allons nous lever comme les enfants du même père, d'une même mère. Nous allons leur montrer que c'est nous qui avons écarté pour les raccoucher. Quand nous allons instaurer le respect avec la femme africaine. Nous allons instaurer le respect. Et maintenant, si Sarah a fauté, ils vont arrêter ça à la merde. Si elle n'a pas fauté, qui veut la mener leur dictature. Parce qu'ils ont insulté les deux côtés. Sarah a insulté, leur côté a insulté. S'ils veulent la mener à Dieu, parce qu'on les a battus avec des mots. On leur a touché où il faut. Ils veulent maintenant nous utiliser leurs moyens de sorcellerie, des vampires, pour venir nous museler. Nous allons nous lever ensemble. Nous allons aller écarter. Nous allons aller soulever les cabas. Nous allons les aboyer. Nous allons les crier. Nous allons les manifester devant l'ambassade du Congo en Belgique ou du Congo en France. Ensemble, nous sommes plus fortes. Passez un bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse dans la paix et la. Va te faire foutre. Fais blague quoi. Bye bye. Je te bloque même pas, pardon. Je vais te bloquer. N'oubliez pas les victimes et le Lomania. Et les frères d'Afrique. Ouais, fier d'être Bami. Ouais, je vais effacer. Je n'aime pas laisser les dire dans le noir sur ma page. Je n'aime pas. Je l'ai le direct. Ouais, j'ai trop crié. Je n'aime pas trop crier comme ça. J'étais trop énervé. Ouais, je vais laisser le dire là comment. Dans le noir. Ouais. Je vais laisser dans le noir. Je n'aime pas faire le dire dans le noir sur ma page. C'est pas joli. Bon, je vais laisser quelques heures alors. Si vous pouvez enregistrer. Si vous enregistrez, c'est bon. Alors, s'il y a les blogueurs congolais, là, vous pouvez enregistrer. Vous amenez ça là-bas sur YouTube. Après, je vais effacer. Je n'aime pas laisser les directs sur mon. Je suis dans le noir, quoi. Franchement, femme africaine, nous sommes de tout cœur avec vous. On n'a pas besoin de Niki pour mener ce combat. Ce combat, maintenant, c'est pour nous. C'est notre cause. Si elle ne veut pas parler, on ne va pas l'obliger. C'est un problème de famille. Peut-être qu'elle a arrangé avec sa famille là-bas, il n'y a pas de problème. Nous, on s'est sentis indexés parce qu'on a violé. On a violé l'image d'une femme. On a humilié une femme. C'est la raison pour laquelle Sarah s'est levée pour parler. Aujourd'hui, si cette femme ne veut pas parler, ne l'en voulons pas. On ne sait pas ce qu'elle subit dans sa famille. Où, voilà, on ne sait pas. Il y a des enfants au milieu. Il faut aussi comprendre qu'il y a des enfants au milieu. Peut-être les enfants font la pression à la maman. Il y a un père, il y a aussi un père qui est en face. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons nous battre pour la libération de notre Sarah. Donc, laissez un peu Niki là-bas de son côté. Et puis voilà, ce que j'avais à vous dire. Ah, effacez, d'accord, je vais effacer. Mado, j'efface. Ok, Mado, j'efface. Ok, je laisse ça. Donc, mes frères et sœurs, nous sommes ici pour une bonne cause. Tout le monde peut commettre une erreur. C'est comme pour Classil. Je vais parler de ça demain. Tout le monde peut faire des erreurs. Ce n'est pas la raison pour laquelle on va se lyncher. On va faire tout ce qu'il faut faire. Bon, c'est pas bon. Bon. Donc. D'accord. Elle a fait une fausse couche. Ok, la panthère du zoo. Je n'efface pas. Hein. D'accord. Non, la panthère, je vais effacer dans une heure. Je laisse dans une heure.
Ils vont enregistrer dans une heure, je vais passer. Mais toutes les femmes font les fausses couches. Quand tu as la pression, tu fais la fausse couche. Tu ne sais pas que la pression fait accoucher avant le temps. Tu ne sais pas que la pression fait accoucher avant le temps. Hein? Voilà, quand on dit que je suis de l'eau pipi, je peux vous montrer là maintenant. Là, le fait que j'ai parlé, j'ai la sueur partout sur moi. Là. Ici, là, partout. Si j'étais assis là, que tu étais, vous voyez, vous dites que, oh maman, voilà ça. La sueur partout là. Mais ils vont dire de l'eau pipi. Mais comme je suis sans caleçon, j'ai la sueur partout, je suis assis là, j'ai envie de boire mon thé. Si elle a assis là, fait la fausse couche, c'est normal. Une femme qui est stressée pour avoir la fausse couche, oui, une femme qui est stressée, la fausse couche, elle accouche avant le temps, les enfants meurent. Vous savez pas ça? C'était son... Même si c'était le plan, ce n'est pas grave. Elle a fait le plan, ça appuie. Est-ce qu'au départ, elle est venue vous dire qu'elle a accouché? On regarde l'affaire qui a commencé au début. On ne regarde pas ce qui s'est passé après l'affaire. Qui a mis l'affaire les réseaux sociaux? Question. Laissez-moi l'affaire qu'on a dit que dans la classe, on dit tout. Même en faisant la classe, je peux même mentir sur quelqu'un. Oui, je peux snobber quelqu'un. Dit que bon, je suis en scène pour te snobber. Quoi le problème? C'est ce qu'on n'a jamais vu. Lolo Tata Congo, il y a pas de pensée. Ce n'est pas ça le débat là maintenant. Ce n'est pas le débat. Non, le débat plus. C'est à l'histoire de famille là-bas. On ne débat plus dans ça. Maintenant, on débat comment on va libérer notre soeur. Voilà, c'est tout. L'autre débat là, vous allez aller débattre ça avec elle là-bas. Voilà. Je ne monte pas, Mado. Je lis un peu vos commentaires. D'accord, la pandémie, des yeux effacés. Il est effacé. La pandémie, des yeux, ça me fait rire. Je suis fils spirituel de Bokolo. Voilà. Bonne fête à tous les Batanga de Kribi. Je suis une Kribienne, c'est la fête des Batanga aujourd'hui. D'accord, Bado, elle est même effacée. Ce n'est pas moi qui faisais, moi, il faut le dire dans le noir. Toi qui envoie la tête de mort, la rêve bien, il m'a pris ça chez lui, s'il te plaît, bloque-moi la personne.